hop les potes, hop tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme vous voyez sur Need for Speed Heat, pour encore une custom du coup d'une autre voiture. Là c'est la Aston Martin DB5, pas la voiture on peut dire de James Bond. Hein. Et on part directement pour la custom, hein. Je pense que ça va être le bordel parce que c'est un peu une voiture phare des films. Je mens pas que là je vais me faire plaisir. Oh, on achète, hein. On fait les pigeons, j'ai pas énormément de thunes mais ça va le faire. Je veux quand même garder un peu la base de la voiture. Wesh, ça sert à rien. Je veux pas trop non plus que ça change, même si quand même je veux que sa custom elle soit quand même stylée. Ouais, un aileron à voir. Ça, ça fait plus trop voiture James Bond. Ah bah tiens. Ça fait stylé. Vas-y, on va la mettre. Hop. Non, ça, on laisse ça là, c'est stylé. Non, ça, je suis pas fan. Les roues, archi fan par contre. Je te jure, je change pas les roues. Mince. Voilà, d'aller vite. On va laisser l'avant comme ça. Non, c'est un peu trop peut-être abusé du bail là. Je sais pas, j'hésite. Oh, on est là pour custom. On s'en fout. Mais avant quand même, je vais lui mettre un gros truc. Hein. Ah, c'est impossible de se paumer la nuit, hein. Il y a full lumière partout. Ah. Il se passe quoi là? Merci. Et pas envie que le jeu il crash. Ouais non, ça fait bizarre. Ouais, j'hésite à mettre l'avant aussi. Allez, vas-y, go, mets l'avant. Ça, c'est fait. Ouais, non, on va laisser ça. Et j'hésite à mettre un aileron. Ouais, je vais mettre ce petit aileron, là. C'est pas trop abusé. Je pense que déjà, là, on est pas mal sur la custom. Alors, qu'est-ce que la communauté nous a proposé comme petite custom? Du temps à charger. Yes, est-ce que c'est possible que ça charge? Moyen. Ouais, pas trop fan. Pas fou, non. Wesh. Je crois que j'ai trouvé. Ça va pas avec le style de ma voiture. Hein. On devrait quasiment ouais, partir plus là-dessus. Ça fait vieille voiture. Nickel, je prends cette custom. Elle est trop belle. Elle est pas mal la voiture. Effet, qu'est-ce que je peux lui mettre? Peut-être des néons orange.
Voilà, parce qu'après le reste. Ouais, non, je pense que le reste ça va pas aller. Déjà, elle est pas mal, hein. On va partir ici, comme d'hab, dans le circuit, et faire 2-3 plans. Du coup, c'est parti pour l'essai de la voiture. Déjà, je pense que je me répète à chaque vidéo, et là, elle est archi belle. J'ai même pas gardé la base un peu de la voiture. J'ai tout changé, quasiment. Mais en vrai, ça rend, elle rend bien. Je pense qu'elle va moins bombarder que la i8, mais bon, c'est pas grave. Elle est mal, par contre. Ça m'étonnerait qu'elle arrive à atteindre les 200. Ah, au coup, bah, j'aurais dû le faire. Et je pense qu'elle va en course, ça doit pas être la meilleure. C'est sûr, mais après, c'est juste le... Voilà, c'est le délire. C'est le petit délire. Ah, la voiture de James Bond, elle change. C'est dans le prochain James Bond, la voiture va être comme ça. On va se laisser là-dessus. Je pense que c'est... Ouais, c'est une belle custom, même avec les néons orange, ça fait stylé. Et bah moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma vidéo et à ma chaîne YouTube. Oui, parce que si... Allez, on va dire... Allez, à 5 likes sous cette vidéo, je custom une Ferrari ou une McLaren. Je vous le mettrai sur mon Insta. Mais il faut avant les 10 likes sous cette vidéo. Et moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Ciao.